Les potes, avant de commencer la vidéo, je vais vous présenter trois produits de la marque OK. Je vais vous présenter un chargeur sans fil pour téléphone, une prise murale USB-C et un chargeur pour voiture. Voilà les potes, trop cool. C'est parti, on commence avec le chargeur sans fil. Donc je vais vous expliquer comment ça marche, c'est super simple. Vous avez du coup un petit support que vous allez du coup pouvoir coller directement à votre téléphone. Ensuite, le câble, vous le branchez du coup vers un chargeur de type USB-C. Et du coup, l'USB-C, il est juste là, le deuxième produit. Ça, c'est vraiment parfait. Les amis, on est coordonnés, nous, dans cette vidéo. Donc, tac, tu sors ça. Ici, tu as l'USB-C. Tac. Et en gros, ça, tu le branches du coup sur une prise secteur. Là, tu as une sortie USB-C. Tu prends le chargeur sans fil. Tu branches l'USB-C. Et tac, après, tu n'as plus qu'à prendre ton téléphone et tu peux le poser dessus et ton téléphone chargera. Donc ça, c'est trop cool. Je l'ai essayé, moi, j'ai un iPhone 11 et ça marche, c'est trop bien. Donc, c'est compatible avec tous les derniers iPhones dernier cri de plein de marques. Donc, tous les liens sont en description si vous voulez plus de renseignements sur toutes les marques qui sont compatibles. Et ensuite, les potes, le dernier produit, c'est un allume-cigare chargeur. Donc, ça se pose en fait dans votre voiture. Donc dans le coin d'allume-cigare, je pense que toutes les voitures ont ça. Et ça permet du coup d'avoir trois ports USB pour recharger vos téléphones ou d'autres produits électroménagers, on va dire. Et donc ça, c'est cool les potes. Donc si vous êtes intéressé par les produits de la marque OK, ils sont en description. Je vous souhaite un bon visionnage. J'étais tranquillement en train du coup de regarder ma petite carte lorsque j'ai trouvé la tombe secrète d'un personnage assez connu. Elle est juste devant moi les potes et comme vous pouvez le voir du coup on est sur la tombe secrète de Ryder, donc le chef de la Pat' Patrouille les amis. Et vous allez voir que cette vidéo va être trop géniale, surtout que ça fait super longtemps que j'ai pas du coup été rendre visite à ce personnage en particulier. Et donc ça me fait vraiment mais trop plaisir. Donc là pour info on est vraiment tout en haut de la forêt, donc vraiment derrière la forêt elle est juste là, et bah nous on est juste dedans à la sortie de cette forêt. Et comme vous pouvez le voir on a l'eau qui est juste devant moi. Et du coup dans cet endroit précis j'ai trouvé du coup une tombe secrète et j'ai bien envie d'aller l'explorer. Du coup c'est parti les potes, je compte sur vous pour mettre un maximum de likes et pour vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, c'est hyper important pour la suite des vidéos. Et du coup let's go, on va voir du coup si c'est vraiment ça l'entrée, s'il n'y a pas quelque chose autour. Avec un petit truc, ah regardez là, il y a quelque chose on dirait. Peut-être une autre deuxième entrée, je sais pas. En tout cas si vous savez, bah mettez-moi dans les commentaires. Et c'est parti, n'oubliez pas de mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite les potes. Full boss, c'est super important pour me soutenir. FU2LBO2S, merci énormément à toutes les personnes qui le mettront. On est parti, directement voir Ryder, on va descendre. On va voir un peu bah, ce qu'il fait. Alors, ok, donc là pour le moment on voit une sorte de chambre. Donc pièce principale avec du coup, bah... une bibliothèque. Ah, j'ai entendu un bruit d'enclume là à côté. Bizarre. Ah, ça vient peut-être d'en bas. Ah, oh, salut Ryder. T'es en train de faire des travaux, j'ai entendu des marteaux et de l'enclume. T'es qui toi? Bah moi je suis full boss, tu te rappelles de moi? Non, non. On s'était vu il y a très longtemps, tu sais, avec tous tes amis, la Pat' Patrouille, là. Il y a tous tes potes, là, tu sais, le chiot de police et tout. Ouais. En tout cas, les potes, j'ai oublié le nom de tous ces personnages. Donc, n'hésitez pas à mettre le nom bah, dans les commentaires, le nom des personnages du coup de la Pat' Patrouille. Par exemple, tu sais qu'il y a un chien policier, il y a un chien pompier. Enfin, vraiment, il y en a plein. Et du coup, bah, moi, je les connais pas. Oula, ah, c'est un beau coffre hein, que t'as là, Ryder. Hein. T'as des petites couleurs. Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces couleurs? Mais en fait, j'en ai besoin pour un truc décoré un peu. Oula, ah oui, c'est pas mal. Hein. T'en as quand même pas mal. Hein. Donc, je pense qu'on a du coup à peu près 9 blocs de. 9 x 2, donc ça fait 18 blocs de poudre magmenta. Et ça, c'est fait 3 x 4, 12, 13 béton rose. En vrai, c'est vraiment sympa. Hein. Et du coup, tu veux. Ah, tu veux agrandir un peu la pièce? Mais non, 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 pas du non, tout. Non, non, tu vas faire quoi? Oula! Une source d'eau infinie, ok. Infinie. Et du coup, t'étais en train de faire quoi? Parce que j'ai entendu ici, j'avais entendu des gros bruits de marteau en bas. Et genre, du coup, bah oui. Je me posais du coup la question. En gros, regarde. Là on est d'accord, c'est une poudre. Ouais, c'est de la poudre. Et là c'est quoi? Waouh! Mais c'est du béton. Ah oui, grâce à l'eau, mais bien. Mais c'était super intelligent, Ryder. Toi on voit que t'es le chef de la Pat' Patrouille. Et justement, vu que t'es. Je me posais la question, au fait, ils sont où tous tes amis là de la Pat' Patrouille? Ils sont en mission ou? Ouais, ils sont en mission là. Et c'est quoi la mission du soir alors là? Je te laisse rentrer dans le tableau. Attends quoi? On peut rentrer dans le tableau là? Attends, comment on fait? J'arrive pas, attends. Bah tu rentres. Ah, waouh! Oh, ouais, il y a une cachette secrète ici. Waouh, c'est trop stylé. Attends, mais c'est quoi cette salle?
C'est la salle avec ton ordinateur. Ah oui, avec toutes les missions et tout, de tous les chiens de la patte patrouille. Waouh, et c'est quoi tous ces coffres là? C'est des armes, j'imagine, non? Ouais, c'est des armes. What? Mais attends, mais. Ouais, toute la nourriture. Ouais, les potes, c'est abusé, regardez. Il y a plein de steaks, plein de poulet et tout. Non, mais attends, mais. C'est pour les chiens. T'es sûr que c'est. Mais non, mais un chien, ça mange pas ça. Ça mange pas de poulet, un chien. Ça mange des croquettes. Attends, mais pourquoi t'as autant de nourriture dans les coffres? Tu vis avec combien de personnes ici? En fait, moi je fais jamais de mission, je reste ici comme un gros porc et du coup. What? Mais attends, mais justement, t'as pas besoin de trop manger alors si tu bouges pas trop? Bah si. Et pourquoi tu fais jamais de mission avec tes chiens et tout? Mais parce que trop dangereux. Trop dangereux? Wow! Et attends, mais du coup, tu dois avoir une salle secrète avec plein de Kishta Rider, non? Tu dois avoir plein d'argent là, les chiens de la patte patrouille doivent te mettre Gucci, non? En fait, je te dis, regarde. Attends, là on va reboucher. Ok. On va aller en bas, c'est parti. Non. Ok, c'est quoi ça? What? Il faut pas toucher. C'est quoi ces trappes là? C'est un piège? Bah en gros, là. Wesh! Y'a quoi du Mereps? Wouah! Qu'est-ce que tu fais avec ça dans un coffre? Bah attends, d'ailleurs, faut que. Hop, je fasse ça. Oh, il a droppé de la thune! Wouah, la thune de Render! Wouah, là les potes, regarde, je suis riche! J'ai récupéré un diamant. Non mais là, truc de fou là. Wouah, t'en as plein. Là, t'as plein de diamants là. Tu t'es mis bien. Tiens, je te donne le reste. Parce que et du coup, est-ce que tu peux me donner... Bah tu sais quoi Wouah. Ah ouais, et ça, c'est... Tu mets combien de temps à voir ça? Même pas 2 minutes. Wouah, ouais, ça débite hein. Et du coup, est-ce que tu peux me dire du coup sur l'ordinateur la mission qu'ils sont en train de faire là, du coup, la patte patrouille? Pour savoir un peu si c'est une grosse mission ou pas ce soir. Ou c'est une mission tranquille. Il y a une grotte. En fait, si tu prends ta cam. Il y a une grotte en bas à gauche. Ah, oula. Ah oui, une grande grotte même, non? Bah ouais. D'accord, là, je vois, une super grande grotte. Ok, qu'est-ce qu'il doit faire dedans? Ils sont en train de l'explorer et ils voient s'il n'y a pas des mutants ou quoi. Ah, d'accord. Et aussi, je sais qu'il y a aussi plusieurs groupes dans la patte patrouille. Genre, ils font pas tous la même mission en même temps. Et il me semble qu'il y a quelqu'un qui est spécialisé dans le sport, c'est ça? Il n'y a pas un chien qui est spécialisé du coup dans la patte patrouille, je veux dire, dans les activités sportives, genre tout ce qui est tout pour sauver les activités sportives ou un peu modérer tout ça. Je sais pas si tu vois un peu de quoi je parle. Ouais, je vois. Et alors, t'en as pas un qui s'occupe d'un truc en particulier? Bah si, lui j'ai aussi des chiens sauvetage de mer. Mais, ah ouais, mais je voulais dire pour le sport, toi, t'en as pas qui s'occupe des sports de raquettes et tout? Non. Pas... Ah, des raquettes? Ouais. Si. Ah, vas-y, bah raconte-moi un peu la mission. Alors, c'était quoi la mission, là, le but? T'es un cas désespéré. Oula, mince, pauvre monsieur. Il s'est fait recaler. Les amis, avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à mettre mon code créateur sur Fortnite. Pour cela, vous allez dans la boutique d'objets. Très simple, vous cliquez sur soutenir un créateur et là vous mettez le code FULLBOSS, FULBOSS et vous cliquez sur le bouton accepter et voilà, vous me soutenez dans la boutique. N'hésitez pas à vous prendre des petits skins et tout, ça me ferait super plaisir et voilà, bon visionnage les potes. Parce que sa camarade lui a dit qu'elle faisait du tennis. Ah ouais. En gros, voir, sauf que... Et du coup il a appelé la patte patrouille. Voilà. Ah ouais. Et en gros, le rassurer, mais là c'est pas un cas désespéré, là, faut l'amener aux urgences. Là. Et du coup, il a payé ou pas pour avoir votre soutien? Bah oui, il a payé. What? Et du coup, il a réussi ou pas du coup son... Et c'était quoi en fait? C'était pour essayer de sortir avec une fille, c'est ça? Ouais. Et ça a marché ou pas au moins, de contacter la patte patrouille? Bah oui, ça a marché. Et là, en gros, ce qu'il fait, bah... C'est qu'il s'en fout. Genre, en gros, si la meuf lui dit « Ouais, viens me voir », il va dire « D'accord ». Genre, il va s'en foutre. Wouh! Ah ouais, là il est passé en mode. En mode. Oula! Tu parles de qui en fait là? C'est de quel monsieur que tu parles? Ah, bah, je sais pas. Je crois qu'il s'appelle Joseph 12 ans. Je sais pas. Joseph 12 ans, d'accord. Bon bah, force à lui. Hein. Et du coup, alors, une autre mission là que t'as à me dire en tête. Hey, tu peux me parler du coup de la mission la plus drôle que t'as eue? Genre vraiment une mission un peu what the fuck. Genre, tu sais, quelqu'un qui appelle, mais on sait pas trop pourquoi, tu vois. Tu vois ce que je dis ou pas? En gros, c'est quelqu'un, il m'a appelé, il m'a dit. J'ai les toilettes bouchées. Ouais, j'ai appelé la patte patrouille pour déboucher les toilettes. Mais attends, mais ils ont fait quoi les chiens? Ils ont mangé ce qu'il y avait dans les toilettes ou c'est comment là?
Et bah en fait c'était pas bouché, c'était juste il y avait un peu de mouchoir qui était dans les chiottes et voilà. Ah ouais, mais lui il est vraiment bête hein. Alors lui il est pote, franchement il est vraiment bébête hein. Bon bah c'est cool, c'est cool. Et du coup quoi? Full boss tu crois? Oui ouais je m'appelle Full Boss, ouais pourquoi? Attends. Quoi? Tu t'appelles Full Boss? Ouais je m'appelle Full Boss, ouais. Mais c'est toi du coup que je parle? Genre c'est toi, on est venu chez toi pour déboucher les toilettes, c'est toi? What? Oh les potes, je vous jure c'est faux. What, t'as ouf. Mais attends, tu sais que je fais une vidéo YouTube là. Bah m'en fous. Mais mes abonnés vont croire que j'ai mes toilettes bouchées hein. Eh les potes, l'écoutez pas, je vous jure c'est faux. Mais non, mais moi je bouge pas mes toilettes. T'as cru que je lâchais quoi dans mes toilettes? Des pastèques ou... Non, attends, c'est pas là, bon. Je vais aller dans l'historique. What? Attends, y'a quoi dans l'historique? Oula C'est écrit Full Boss toilette. Mais c'est comment ça, toilette? Bah peut-être qu'un... J'ai jamais appelé la patte patrouille parce que j'avais des toilettes bouchées, mais... Et même si j'avais des toilettes bouchées, c'est pas la patte patrouille que j'appellerais. Hein. Moi, je pense que j'appellerais... je sais pas, un plombier ou je sais pas, quelqu'un qui sait qui du métier. Je vais pas appeler la patte patrouille. Non, mais là, franchement, les potes... Non, je pense que c'est... Non. Oh, si. Attends. T'es sûr que c'était pas quelqu'un qui ressemblait à ça? Ah, si. Si! Ah, mais lui, mais c'est Creeper, lui! En fait, faut que je te parle, si tu veux. En fait, j'ai ouvert un nouveau restaurant de burgers. Et en fait, le problème, c'est que... C'est que vraiment, il a vraiment mais bombardé les burgers, si tu veux. Tu veux que je te montre pas mon restaurant de burgers? Ouais, vas-y. Vas-y, viens, je vais te présenter. Oh, what, t'es ouf? Oh, j'ai eu peur. Vas-y, bah viens avec moi, viens avec moi. Je vais te le présenter. Regarde. Attends, il faut juste, du coup, que je prenne ma voiture. Attends, nous, je pense que j'ai garé ma voiture pas loin, je sais pas où elle est. Est-ce que t'aurais pas vu mon gros bolide? Si, je crois. Vas-y, regarde si tu l'as pas vu. Il doit être garé normalement autour de la grotte quelque part. Toi, t'es vraiment aveugle, hein, il est juste ici. Ah, merci Ryder. Merci beaucoup. Bah attends, je vais te conduire du coup jusqu'à mon restaurant. Et du coup, tu vas pouvoir, du coup, bah, prends un peu d'argent et je vais pouvoir te montrer un peu bah, tout ce qu'on peut prendre. Par contre, le problème, c'est que j'ai un client qui est venu la dernière fois, un pote, et il m'a complètement dévalisé, il reste plus beaucoup de trucs. Mais t'inquiète pas, je te trouverai quand même un petit truc à manger parce qu'il y a toujours des stocks. Ouais. Hop, parce que justement, il y a Creeper qui est venu, il y a eu plein de gens qui sont venus. Et regarde ça, du coup, c'est mon restaurant de burger. Alors, si les potes, vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où j'ouvre mon restaurant McDo sur Minecraft. Et là, vraiment, j'ai vraiment mis plein de burgers et tout. Bah, du coup, Ryder, viens, je t'attends, du coup, dans mon restaurant. Et tu vas pouvoir, du coup, te faire plaisir. Ok? Vas-y, viens, Ryder, viens. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il me reste, les potes? Oh, il me reste plus beaucoup. Il me reste un morceau de viande, quelques cookies et un peu de sauce. Ouais, j'ai même. Ah, si, j'ai encore du pain et tout, ça va. Ouais, du coup, je te disais, le bonhomme vert, il est venu ici, et je pense que c'est pour ça qu'après tes toilettes, ses toilettes ont été bouchées. Il a appelé la patte patrouille parce qu'il a mangé tellement que, bah, je pense qu'il avait été aux toilettes pour en fait, bah, pour 3 semaines, tu vois. Donc vraiment, quelque chose de très abusé. Bon, du coup, bah, vu tous les aliments que tu m'as donné, je vais pas te le faire payer hein, le menu, hein, t'inquiète pas. Je vais mettre ça dans la trésorerie carrément, tu sais, en réserve. Il va falloir du coup que je refasse tous les stocks du coup de mon restaurant de burger. Donc je referai ça du coup plus tard. Parce que là vraiment il y en a vraiment pas mal à reprendre. Tu veux de l'eau ou pas? Je t'en ai pas mis. Tu veux de l'eau? Là j'ai une alerte, j'ai une mission à faire. Ah, t'as une alerte, c'est quoi le nom de la mission alors? Bah attends, je regarde. C'est quelqu'un qui veut suicider, donc voilà. Wesh. Ah ouais, c'est chaud ça. Oh. Il s'appelle Lucas Louis, bon là c'est urgent. Salut, Ryder, salut. Bon, hey, c'est ma voiture ça. What? Ma voiture? Bon, les potes, Ryder, il a volé ma... Il m'a pété à ma voiture. Bon, c'est pas grave. Mettez un maximum de likes. Voilà, c'était Full Boss. Et n'oubliez pas, les potes, de devenir sponsor à la chaîne si ça vous intéresse. Vous pouvez du coup cliquer sur le bouton rejoindre en bleu juste à côté du bouton abonné. Et ça me ferait vraiment hyper plaisir. Du coup, vous aurez plein de grades et tout exclusifs, plein de trucs trop cool, des pseudos en vert. Et voilà, les potes, c'était Full Boss. Allez, ciao.